Alors, bienvenue à vous tous à notre café virtuel CDN, le Coffee Break. Cette session est concentrée sur l'innovation et son écosystème. Ce type d'écosystème joue un rôle essentiel dans la réalisation des résultats économiques positifs de nos communautés rurales. Et certainement, ça contribue à la résilience des entreprises dans le même contexte. Et comme nous le savons tous, l'innovation et le développement et l'application d'idées qui améliorent la façon dont les choses sont faites ou ce qui peut être aussi réalisé. Et il ne faut pas oublier que l'innovation peut se traduire par de nouveaux produits ou de services, de processus commerciaux nouveaux ou améliorés, des changements dans la façon dont les produits sont commercialisés ou l'introduction de nouvelles technologies. Il y a maintenant quelques années que ce sujet de recherche a été entrepris et quelques 64, je pense, entreprises et partenaires de soutien ont été impliqués dans la collecte des données et des commentaires qui ont été servis de base aux conclusions de cette étude. Et même si le contexte est centré sur la région de Clare, si vous êtes dans d'autres municipalités ou d'autres communautés rurales, les conclusions sont transférables à votre situation. Et vous trouverez peut-être que votre écosystème correspond soit plus ou soit moins à ce qui sera partagé. Ceci étant dit, je suis très heureux d'avoir le docteur Kadia Georgiaka, mieux connu par Georges, par ceux qui ont eu le plaisir de travailler ou de collaborer avec lui, et son partenaire de recherche, Crispin Enagogo. Ils se joignent à nous aujourd'hui. Le docteur Aka est professeur en management au département d'administration, faculté d'administration du campus de Moncton, de l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Mais n'oublions pas son séjour ici parmi nous à l'Université Sainte-Anne dans le même domaine. Ses intérêts de recherche portent sur le management des processus d'innovation dans des perspectives systématiques d'éthique des affaires et de développement durable, des sujets très importants dans ces jours. Ses travaux s'appliquent au contexte des petites et moyennes entreprises et des entrepreneurs ainsi que des organisations de soutien. Crispin Enagogo est titulaire d'une licence en économie mathématique et de maîtrise en management entrepreneuriat de l'Université Montesquieu, Bordeaux 4 en France, doctorant en administration à l'École de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses intérêts se portent sur la gestion des liquidités et du financement externe des petites et moyennes entreprises en croissance, puis particulièrement en croissance, et sur les mécanismes du développement de la confiance interorganisationnelle entre ces entreprises et leurs partenaires financiers externes. Alors, tout ça étant dit, Georges, je te passe la parole. Merci beaucoup, merci André. Je ne sais pas si vous m'entendez tous. Est-ce que vous m'entendez? OK. Ben là, j'ai vu des visages que je suis très, très heureux de voir. Ma collègue Louise Fontaine, que je vois, je suis très heureux de la revoir. Certains de mes étudiants, d'autres partenaires avec lesquels j'ai collaboré au niveau du CDN, c'est un plaisir de vous revoir et de vous partager donc les résultats de cette recherche que j'avais conduite en son temps où j'étais à l'Université Sainte-Anne, et je l'avais conduite avec le soutien donc du CDNE, mais aussi des étudiants que j'ai eu comme assistante, tels que Manuela et Ariane Cooper, qui sont aussi présentes, qui suivent aussi cette conférence-là.
Et donc, je présente donc ces résultats-là. Les premiers résultats qualitatifs ont été publiés déjà dans un article scientifique l'année dernière. C'est un article qualitatif. Les résultats que je présente aujourd'hui sont des résultats quantitatifs, et donc qui vont donner lieu à un article scientifique qui, lui, est pratiquement terminé et qui sera publié, je pense, nous pensons, cette année, en 2020, 2021, pardon. Donc, le titre, évidemment, de cette présentation, de cette conférence, ce sont les innovations des PME en milieu rural. Alors, la question qu'on se pose, elle n'est pas anodine, c'est est-ce que toutes les collaborations sont utiles dans un écosystème d'innovation? Alors, je vais présenter cela avec mon co-chercheur, mon collaborateur, qui est Crispin Enagogo, qui est doctorant à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, on y va, Crispin? Alors, essentiellement, je vais présenter ces résultats-là en trois points essentiellement. Donc, je vais parler des collaborations en innovation et ce que la littérature dit sur les collaborations en innovation et quelle est la problématique principale sur ce sujet-là qui nous intéresse dans le contexte des PME que nous avons étudiées à CLAR. Ensuite, je vais présenter les données de notre étude parce que c'est important et les résultats qui découlent de l'analyse de ces données-là. Évidemment, ces résultats vont être très, très intéressants, je peux vous le dire, et vont certainement donner lieu à réflexion, mais aussi à débat. Donc, nous sommes ouverts pour des discussions parce que l'objectif, c'est de faire avancer, évidemment, de faire avancer les choses, et principalement sur le sujet. Et puis, on va aborder les implications pratiques et les recommandations que nous faisons à ce que nous appelons les ODE, c'est-à-dire les organisations de développement économique, comme le CDNE, qui est un organisme de développement économique. Alors, je vais partager la présentation avec mon collègue Crispin. Crispin va présenter les données et moi, je vais m'atteler aux collaborations en innovation. Alors, en ce qui concerne les collaborations en innovation, merci Crispin. Tu peux passer, Crispin? OK. Alors, là, je commence d'abord par mettre, si tu veux, le contexte, en fait. On sait aujourd'hui, et ça, c'est acquis, que l'innovation est au-dessus de toutes les stratégies des entreprises. Donc, ça démontre que l'innovation, elle est vraiment importante et elle est au cœur de ce que font les entreprises. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'innovation, qui autrefois était un luxe et qui était souvent faites par des grandes entreprises qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des ingénieurs, qui avaient des laboratoires de recherche. Aujourd'hui, l'innovation ne concerne plus seulement que ces grandes entreprises-là. Elle concerne aussi toute forme d'entreprise, qu'on soit une PME, une coopérative, une association. On a besoin d'innover. Donc, l'innovation devient une nécessité pour toutes les formes d'entreprise, pour toutes les formes d'organisation qui existent, qu'elles soient à but lucratif ou à but non lucratif. Alors, on ne parle plus d'innovation uniquement aussi que pour conquérir de nouveaux marchés, parce que très souvent, lorsqu'on parle d'innovation, c'est que vous devez développer de nouveaux produits pour aller conquérir de nouveaux marchés. On ne parle plus seulement d'innovation. Dans ce contexte seulement, on invoque aussi l'innovation lorsque on veut garder des parts de marché. On est dans un secteur d'activité. Et puis, on veut garder des parts de marché, on veut demeurer dans la concurrence. Donc, l'innovation devient aussi un outil pour, non seulement pour se développer, mais aussi pour survivre. Donc, les entreprises, pour survivre, elles doivent innover parce que les clients, les consommateurs sont devenus ce que j'appelle des consommateurs frivoles qui sont capables de changer d'entreprises comme elles veulent parce qu'elles veulent la nouveauté, elles veulent changer des façons de faire. Donc, les entreprises n'ont pas d'autre choix que d'innover pour demeurer concurrentielles. Alors, on ne parle plus aussi, logiquement aussi, d'innovation sporadique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'innover pour un moment, mais aujourd'hui, la concurrence est telle que les entreprises doivent innover de façon continue.
Et ça, c'est amplifié par le contexte de mondialisation dans lequel on se trouve, avec les progrès technologiques qui font que les entreprises doivent innover, si vous voulez, je dirais 24 heures sur 24. Elles doivent innover en continu. Dans le contexte des organisations, parce que l'innovation est devenue quelque chose d'essentiel, les grandes organisations que sont l'OCDE, par exemple, et puis plus près de nous, Industrie Canada, Développement économique Canada et tous les autres organismes canadiens qui existent, ont développé justement des programmes et des politiques pour non seulement favoriser l'innovation, mais aussi pour stimuler l'innovation dans les entreprises. Alors, en fin de compte, on reconnaît le rôle moteur, le rôle majeur que peut jouer l'innovation pour assurer la compétitivité du Canada à l'échelle planétaire. Les derniers rapports sur l'innovation, l'état de l'innovation au Canada démontrent que les entreprises canadiennes sont fortes pour faire de la recherche et développement, mais elles ont des faiblesses quand vient le moment de commercialiser leurs innovations. Et on a le bel exemple que je prends souvent avec Bombardier, avec sa C-Series, par exemple, qui était une innovation majeure, mais l'entreprise a eu du mal à la commercialiser et il a fallu évidemment que Airbus arrive pour faire un partenariat avec Bombardier pour que cela puisse se faire. Christian? Alors, lorsqu'on parle d'innovation, et André a bien fait de le définir au début de son intervention, on définit l'innovation sous quatre formes. Hein. C'est les choses que vous connaissez. L'innovation, c'est d'abord un processus, un procédé qui peut être une innovation. Par exemple, comment est-ce qu'on va fabriquer des produits dans une usine? Donc, on peut développer des innovations pour cela. On parle des innovations de processus. Vous connaissez aussi les innovations de produits, hein, les produits qui existent, qui permettent aux entreprises justement de pouvoir générer plus de profits encore. On a aussi des innovations marketing, c'est-à-dire qu'une fois que le produit a été développé, on peut aussi développer de nouvelles façons de le commercialiser. Par exemple, on a aujourd'hui les achats en ligne, tout ça. C'est une façon donc de commercialiser, une nouvelle façon de commercialiser les produits que l'on fabrique. Et puis enfin, quand on parle d'innovation, c'est aussi l'innovation dans la façon d'organiser les choses dans l'entreprise, dans le management de l'entreprise. Là aussi, on peut innover. Donc, l'innovation a différentes formes. Et lorsque je parle d'innovation, ne voyez pas seulement ce que j'appelle le côté wow. L'innovation, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire seulement, mais c'est aussi toutes les petites améliorations qu'on peut apporter à quelque chose qui existe. Donc, on parle d'innovation incrémentale comparativement à des innovations de rupture. On passe à la prochaine diapo. Et bien entendu, quelle que soit l'innovation que vous allez développer, l'innovation comprend plusieurs composantes. C'est plusieurs composantes mises ensemble qui font qu'on finit par développer une innovation. Autrement dit, développer une innovation, ça demande des ressources matérielles, des ressources humaines, des ressources financières. Par exemple, ça prend des équipes et des compétences, ça prend des technologies, ça prend des ressources physiques, ça prend de la créativité, hein, ça prend de l'information aussi. Et ça, c'est les éléments qui sont importants parce que on a longtemps, et ça se fait encore aujourd'hui, on a longtemps pensé que pour innover, il faut seulement de la science et de la technologie. Pour innover, il n'y a pas que de la science et de la technologie, il y a d'autres aspects qui contribuent donc aussi à l'innovation. Alors, bien entendu, lorsqu'une entreprise veut innover, lorsqu'elle développe l'innovation en interne, c'est ce que j'appelle l'innovation en vase clos. Alors, elle va devoir utiliser ces différents ingrédients-là, ces différentes composantes de l'innovation. Donc, depuis plusieurs années, je dirais, au départ, lorsqu'on parlait des innovations, on était surtout en vase clos, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui fait de la recherche et développement, qui développe ses propres idées. Et puis, une fois qu'elle a fabriqué le produit, elle va le commercialiser sur le marché sans avoir sondé le consommateur.
C'est ce que j'appelle l'innovation en vase clos, l'innovation fermée. Alors, cette façon d'innover-là ne fonctionne plus parce que lorsque le produit arrive sur le marché, ben, le marché peut refuser le produit parce que le produit ne lui permet pas de satisfaire ses besoins. Alors, est venue maintenant une nouvelle façon d'innover, c'est ce qu'on appelle l'innovation ouverte. L'innovation ouverte qui demande que l'entreprise fasse des va-et-vient, hein, entre le marché et ses propres ressources à elle. Donc, l'entreprise crée, développe et commercialise les idées dont le marché a besoin. Donc, il y a un va-et-vient entre le marché et l'innovation qui est développée. Et pour le faire, bien entendu, ça prend de la collaboration. Ça suppose que l'entreprise collabore avec des acteurs externes. Et d'où l'importance de la collaboration en innovation. Collaborer, c'est quoi? Tout simplement, c'est travailler ensemble. C'est travailler ensemble. Et la littérature démontre clairement. La littérature démontre clairement. Et les praticiens, les gens qui sont sur le terrain, ils le savent très bien. Les organisations comme le CDN le savent très bien. La collaboration, c'est indispensable pour les PME et c'est en même temps indispensable dans les écosystèmes d'innovation. Les PME, elles ont besoin d'innover pour assurer leur survie. Il est important, même pour une PME en milieu rural, pour assurer sa survie, elle aussi, elle doit collaborer pour pouvoir innover. Sur les écosystèmes. Alors, qu'est-ce qu'un écosystème d'innovation? Un écosystème d'innovation, c'est un réseau d'acteurs, c'est un ensemble d'acteurs qui vont collaborer ensemble pour pouvoir développer les activités d'innovation d'une entreprise focale. Donc, on a plusieurs acteurs à différents niveaux dans l'environnement de l'entreprise et ces acteurs-là peuvent se retrouver aussi bien au niveau de la région, dans le milieu dans lequel l'entreprise évolue, mais aussi au-delà de sa région. Par exemple, on peut avoir des acteurs dans la région de Clare, mais il y a des entreprises qui vont aussi collaborer avec des acteurs qui sont en dehors de la région de Clare, qui vont se trouver par exemple à Yarmouth, à Halifax, par exemple. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'écosystème d'innovation. Autrement dit, l'écosystème d'innovation n'a pas de frontières. L'écosystème d'innovation a plutôt des réseaux de collaboration. Et lorsqu'on parle de réseau, on parle de relations entre des acteurs qui peuvent se trouver soit dans la région de l'entreprise, mais aussi en dehors de la région de l'entreprise. Ce qui est important, ce sont les liens de collaboration qui existent entre ces acteurs-là. Alors, on peut passer. Crispin? Voilà. Et donc, on revient un peu en arrière, s'il te plaît. Voilà. Et donc, la relation collaboration-innovation, elle est importante. Elle a été démontrée dans la littérature, mais aussi sur le terrain. On sait très bien que les entreprises, pour pouvoir innover, surtout les PME qui n'ont pas beaucoup de ressources, elles ont besoin de collaborer justement pour pouvoir avoir accès à des ressources dont elles ont besoin. Cela dit, toutes les collaborations et toutes les combinaisons de collaboration ne conduisent pas nécessairement à la performance en innovation. Quand je parle de performance en innovation, si vous voulez, c'est en fait le nombre de produits que les entreprises sont capables de fabriquer et qui sont issus de commercialiser, qui sont issus de l'innovation. C'est ce que j'appelle la performance en innovation. Ce n'est pas parce que vous collaborez avec tous les acteurs de l'écosystème que vous allez innover. Et donc, la question, elle est intéressante parce qu'elle se pose, quelles sont alors les configurations de collaboration avec les acteurs de l'écosystème qui utilisent les PME rurales afin d'innover? Alors, cette question de recherche, cette problématique, elle est intéressante dans le contexte des PME rurales parce que lorsque vous prenez la littérature a beaucoup, il y a beaucoup de littérature sur les collaborations en innovation dans le contexte des grandes entreprises, dans le contexte des PME urbaines, mais il y en a très peu ou pratiquement pas en ce qui concerne les PME rurales. Alors que les régions rurales existent. Au Canada, elles sont nombreuses. Il y a beaucoup de régions rurales au Canada. On en trouve aussi en Europe.
Mais elles sont importantes, ces régions-là. Elles aussi, elles ont besoin d'assurer la croissance économique de leur milieu. Et donc, les PME qui évoluent dans ces milieux-là, ces PME aussi ont besoin de collaborer. Et il est donc important de comprendre quelles sont les collaborations ou les configurations de collaboration qui permettent justement à ces PME-là d'être performantes en innovation. Alors, si on revient à la littérature, par la suite, oui, Crispin. OK. Alors, dans la littérature, on nous présente beaucoup de plusieurs configurations de collaboration. Par exemple, lorsqu'on lit la littérature qui s'inspire forcément des résultats sur le terrain, il y a deux types de collaboration en innovation. On a ce qu'on appelle des collaborations verticales, c'est-à-dire les collaborations avec des acteurs qui ont un impact direct sur la chaîne de valeur de l'entreprise. Par exemple, les fournisseurs et les clients. Donc, les fournisseurs et les clients sont des partenaires importants pour les PME et dans les configurations de collaboration. C'est ce qu'on appelle les collaborations verticales. À côté des collaborations verticales, on a aussi des collaborations horizontales. C'est-à-dire, ce sont des collaborations avec des acteurs intermédiaires, des partenaires intermédiaires, comme les institutions de finance, les banques, comme les institutions d'enseignement et de recherche, les universités. Dans le cas de CLA, on a une université, l'université Sainte-Anne. On a aussi des organismes de développement économique, comme le CDNE, le WEN, Springboard, etc., etc., qui sont des organismes de développement, et des consultants aussi privés qui vont intervenir, mais indirectement, dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Ce sont des acteurs intermédiaires et on parle de collaboration horizontale. Alors, ce que nous dit la recherche, c'est quoi? C'est que la performance en innovation est liée à ces deux types de collaboration-là, de configuration-là, soit des collaborations verticales ou des collaborations horizontales. Mais il n'y a pas de conclusion sur, je dirais, l'utilité d'une configuration par rapport à une autre. Il n'y a pas de conclusion. Par exemple, il y a des auteurs qui disent que les entreprises ou les PME n'ont pas besoin de collaborer avec les organisations de développement économique pour être performantes en innovation. Dans le même temps, d'autres chercheurs disent qu'elles ont besoin de collaborer avec les organismes de développement économique. Donc, il n'y a pas de conclusion définitive. On ne sait pas ce qui se passe dans la littérature. Il y a des contradictions même dans la littérature sur la pertinence ou non d'une configuration de collaboration par rapport à une autre. Et donc, c'est ce qui nous a amené, bien évidemment, à poser les mêmes hypothèses dans le contexte des PME rurales que nous avons étudiées à CLA. Qu'est-ce qui se passe dans un contexte, dans le milieu rural, avec les PME de CLA? On peut passer au prochain. Et donc, cela nous a amené à poser plusieurs hypothèses. C'est ce on peut appeler ici plusieurs propositions de recherche. Nous avons proposé six, nous avons présenté six propositions de recherche. Première hypothèse, c'est qu'on considère que pour qu'il y ait performance en innovation des PME rurales, il faudrait qu'il y ait dans les configurations de collaboration les fournisseurs et les clients. Donc, la présence des fournisseurs et des clients, elle est nécessaire pour qu'il y ait performance en innovation. Ça, c'est la première hypothèse que nous avons définie, élaborée. La deuxième hypothèse que nous avons élaborée, c'est qu'il peut y avoir des configurations où il y a performance en innovation, mais c'est parce qu'il y a collaboration avec soit le client, soit le fournisseur, pas les deux en même temps. Donc, dans la première hypothèse, on a les deux en même temps qui doivent être présentes. Dans la deuxième hypothèse, on a l'un ou l'autre, soit le fournisseur, soit le client. Et puis, on a les autres collaborations aussi qui sont importantes. Donc, la collaboration avec les institutions d'enseignement et de recherche, c'est ce qu'on appelle les IER. Elle doit être au moins présente dans une configuration pour qu'il y ait performance en innovation des PME rurales. Les collaborations avec les ODE, les organismes de développement économique, doivent aussi être présentes dans au moins une des configurations de collaboration pour qu'il y ait performance en innovation des PME rurales. La cinquième hypothèse que nous avons posée, c'est qu'il faudrait qu'il y ait collaboration avec les consultants privés, les consultants en marketing, en comptabilité, en finance. En ingénierie, par exemple, il faudrait qu'il y ait collaboration avec des consultants dans au moins une des configurations pour qu'il y ait performance en innovation des PME rurales. Et la dernière hypothèse que nous avons posée,
C'est bien évidemment qu'il y ait collaboration avec les institutions financières telles que les banques, les caisses, par exemple, pour qu'il y ait performance en innovation. Donc, ce sont ces six hypothèses que nous sommes allés et qui découlent de la littérature, que nous sommes allés vérifier dans le contexte des PME de CLAR. Et donc, ça me permet donc de laisser la parole à mon collègue Crispin pour la suite. Merci beaucoup, je disais. Merci, Georges, pour la clarté et pour la parole que tu m'accordes. Donc, dans cette deuxième phase de notre présentation, je vais m'appesantir sur les données de l'étude et les principaux résultats. Et Georges, je vais revenir à la fin pour parler des implications managériales. Alors, je vais commencer par notre échantillon, comment il est composé. Nous avions 64 entreprises de la région de Clare, de l'entreprise rurale. Et les entreprises sont de taille petite, je peux le dire. Donc, ce sont des petites entreprises. On voit que le nombre maximal des employés était de 49. Et ces entreprises-là avaient aussi moins de personnel avec un niveau universitaire, avec moins de 3 personnes par entreprise de niveau universitaire. Et les entreprises sont par contre matures avec une moyenne d'âge de 22 ans. Et aussi, ils avaient des capacités de collaboration. Ici, la capacité de collaboration, en fait, c'est le nombre de partenaires externes, donc des acteurs de l'écosystème avec lesquels l'entreprise peut collaborer. Alors, ce nombre-là, dans la région de Clare, était de 8 au maximum, mais en moyenne, on voit qu'une entreprise était capable de collaborer avec 5 partenaires de l'écosystème. Et aussi, nous avions la localisation de ces partenaires. Nous avions des partenaires qui sont de la région et nous avions des partenaires qui sont en dehors de la région et nous avions des partenaires qui sont à la fois en dehors et dans la région. Alors, ce sont ces partenaires qui sont les plus nombreux à être représentés. Ici, la moyenne est de 3. 3, c'est quoi? 3, c'est pour juste exprimer ces partenaires-là qui étaient à la fois dans la région et hors la région. Ce sont ceux partenaires-là qui ont dominé notre échantillon. Alors, nous avions 6 types de collaboration qui ont découlé de nos hypothèses. Alors, pour étudier en fait ces collaborations-là, nous avons eu recours à une approche configurationnelle. En fait, pourquoi cette approche-là? Parce que elle nous permet de partir d'un ensemble un peu flou, d'un système comme les collaborations qui sont difficiles à percevoir directement. Et de ce système-là, de cet ensemble flou-là, ça va nous dégager en fait les combinaisons des éléments de l'écosystème, c'est-à-dire des éléments de collaboration, comment ça peut se combiner pour en fait réaliser la performance et l'innovation. Le premier type d'analyse, c'est l'analyse qu'on appelle l'analyse de nécessité. C'est pour savoir quelles sont en fait les collaborations au sein de l'écosystème qui sont nécessaires pour qu'il y ait performance et innovation. La littérature montre en fait que pour qu'une collaboration soit telle, donc soit nécessaire, il faudrait que ici en jaune, la consistance soit de 90%. Donc, à première vue, nos résultats montrent que aucune collaboration n'est nécessaire en elle seule, c'est-à-dire peut remplir les conditions de nécessité pour en fait permettre à l'entreprise d'être performante en termes d'innovation. Cela montre que pour qu'une entreprise soit performante en termes d'innovation, il faut collaborer avec plus d'un acteur externe. Après cette analyse de nécessité, nous avons eu recours à l'analyse des conditions suffisantes. Ici, en fait, nous cherchons à savoir quels sont les types, ou soit quelles sont les combinaisons de collaboration au sein de l'écosystème, comme il n'y en a pas une qui est nécessaire, mais quelles sont les combinaisons, quelles sont les combinaisons qui vont permettre à ce que l'entreprise rurale
soit performante en termes d'innovation. Alors, en jaune, nous avons les combinaisons qui vont permettre d'atteindre la performance et l'innovation. Et juste la colonne à droite, nous avons des combinaisons qui ne vont pas permettre une entreprise à être performante dans ses activités d'innovation. Alors, le signe noir en petit d'abord représente des combinaisons qui sont présentes, mais dont la causalité, c'est-à-dire que dont l'impact ou dont l'effet sur la performance d'innovation n'est pas très importante, alors que le signe noir en grand représente ces éléments de collaboration, soit les clients, soit les fournisseurs, mais dont la présence a une importance causale supérieure. Les signes un peu blancs avec des croix, c'est pour en fait exprimer l'absence. De la même façon, lorsque le signe est un peu plus grand, ça montre que l'absence a une causalité supérieure, alors que si le signe est trop petit, ça montre que l'absence a une causalité inférieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Nous avons obtenu trois configurations, ça veut dire trois façons différentes, trois façons différentes de combiner les acteurs externes pour atteindre la performance à l'innovation. Dans la première configuration, PI1, qu'on voit là, nous voyons qu'il faut qu'il y ait la présence des clients et la présence des institutions d'enseignement et de recherche. Et au même moment, nous voyons qu'il y a l'absence des fournisseurs et l'absence de collaboration avec les ODE, l'absence de collaboration avec les consultants et l'absence de collaboration avec les partenaires financiers. La deuxième combinaison ou la deuxième configuration, c'est là où nous trouvons la présence des clients et la présence des fournisseurs. Et nous trouvons l'absence de collaboration avec les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, et la collaboration avec les ODE et l'absence encore de collaboration avec les consultants, mais la présence des partenaires financiers dans la structure de collaboration des entreprises. Alors, la troisième configuration nous présente la présence des clients, la présence des fournisseurs, la présence des institutions d'enseignement, l'absence des ODE. Et la présence de collaboration avec les consultants, puis l'absence des partenaires financiers. Donc, on peut voir les deux premières collaborations, comme le disait Georges, ce sont des collaborations qui sont verticales, alors que les quatre dernières sont des collaborations qui sont horizontales ou encore qui apportent des ressources intermédiaires. Lorsque nous regardons la colonne à droite, là, nous avons des combinaisons de collaborations qui ne vont pas apporter de la performance à l'innovation. La première configuration, c'est là où on voit qu'il y a l'absence partout. Et au niveau des collaborateurs, de collaboration avec les clients, nous voyons qu'il y a un vide. Le vide signifiant que peu importe la présence ou l'absence, ça n'aura pas d'impact sur sur la performance à l'innovation. Donc là, c'est une configuration qui est remplie en fait des absences. Alors que ce qui suit, c'est une configuration qui est remplie de présence. C'est-à-dire qu'on voit les présences partout, sauf pour les organismes de développement économique. Les deux autres configurations sont en fait des combinaisons aussi, mais là, ce n'est pas seulement les présences ou pas seulement les absences, mais des combinaisons de présence et d'absence qui vont avoir un impact sur l'absence de performance en innovation. Les données chiffrées qu'on voit en bas sont en fait des données de validation de nos résultats. On voit que la consistance globale qui est à 90% et aussi la couverture est à plus de 20%, c'est qui peut être en fait en accord avec la littérature. Nous avons par la suite comparé nos résultats avec nos hypothèses, nos propositions de recherche qu'on avait posées à l'issue de la revue de la littérature. Nous voyons que la première proposition qui disait qu'il faut qu'il y ait présence de fournisseurs et de clients dans les collaborations, dans une configuration de collaboration pour qu'il y ait performance et innovation. Cette première proposition, on la voit qu'elle est incluse
dans la deuxième proposition, dans la deuxième configuration de nos résultats et dans la troisième configuration de nos résultats. Nous voyons bien que dans la deuxième configuration, il y a bel et bien la présence des fournisseurs et des clients et aussi la présence des fournisseurs et des clients dans la troisième configuration. Pour la deuxième proposition, nous avions dit que on peut avoir la performance à l'innovation en collaborant soit avec le fournisseur, soit avec le client. Donc, peu importe l'absence de l'autre. Et cette proposition-là, nous la voyons incluse dans les trois configurations. Les soit signifiant la présence ou l'absence exprimée par le signe blank. Alors que la troisième configuration, nous la voyons aussi incluse dans la première configuration et dans la troisième configuration. Donc, j'allais dire de la troisième proposition, en fait. Alors, cette proposition-là voulait dire quoi? Qu'il faut qu'il y ait collaboration avec les institutions d'enseignement et de recherche. Nous trouvons que dans la première configuration et dans la troisième configuration, il y a bel et bien la présence des institutions d'enseignement et de recherche qui apportent de la performance à l'innovation. La quatrième proposition, excusez-moi, c'était qu'il fallait qu'il y ait la collaboration avec des organismes de développement économique. C'est la seule proposition qui n'est pas soutenue, donc qui n'est pas vérifiée par nos résultats, parce que dans toutes les trois configurations de collaboration, nous voyons l'absence de collaboration avec les ODE, donc dont l'absence n'apporte pas. Donc, dont la semble ne pas apporter sur la performance à l'innovation. La cinquième proposition, c'était qu'il fallait qu'il y ait les collaborations avec les consultants pour qu'il y ait performance à l'innovation. Cette proposition-là est soutenue parce qu'elle est incluse dans notre troisième configuration, le PI3, où on trouve la présence de collaboration avec des consultants et qui apporte en fait, qui contribue à la performance en innovation. Et la dernière proposition, c'était qu'il fallait qu'il y ait collaboration avec les institutions ou des partenaires financiers. Et là, nous trouvons que dans la configuration 2, nous trouvons la présence de collaboration avec les institutions financières qui contribuent à la performance de l'innovation. Donc, en tout, nous trouvons que nos résultats confirment 5 des 6 propositions de recherche qu'on s'était fixées au départ. La seule proposition qui n'est pas tenue, c'est celle de la présence des collaborations avec les ODE. Alors, quelles sont les implications pratiques et les recommandations? Alors, je vais céder la parole à Georges pour cette suite. Merci Crispin. Alors, ce qu'on peut retenir des différents tableaux que Crispin a présentés, c'est que d'abord, on remarque que les PME rurales que nous avons étudiées ne peuvent atteindre la performance en innovation sans collaboration externe. Et ça, le tableau nous permet de le comprendre tout de suite. Et ça confirme ce que dit la littérature, c'est que les PME ont besoin de collaborer pour pouvoir innover. Deuxième conclusion, et c'est ce qu'on remarque aussi, c'est que les PME rurales que nous avons étudiées à CLAR ne peuvent collaborer avec tous les acteurs en même temps. Et ça, il y a une configuration qui permet de le voir, où il y a totalement, évidemment, la présence de tous les acteurs, mais il n'y a pas de performance en innovation. Donc, ces PME-là se verront donc dans la nécessité de choisir des collaborations jugées pertinentes pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Alors, pourquoi? L'une des raisons qui explique qu'on ne peut pas collaborer avec tout le monde et en même temps, mais c'est parce que les PME, on sait tous, n'ont pas le temps. Et le fait de collaborer avec tout le monde fait que, évidemment, on peut perdre du temps, on peut disperser nos ressources. Et tout ça fait que, évidemment, collaborer avec tout le monde, ce n'est pas ce qui marche, ce n'est pas ce qui fonctionne. Et dans le contexte des PME et particulièrement des PME rurales, elles vont donc choisir des collaborations qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs.
en termes d'innovation. Troisième conclusion, c'est l'importance des collaborations verticales. Ça, on l'a déjà on l'a montré clairement que les PME rurales collaborent beaucoup et elles doivent collaborer avec les clients et les fournisseurs ou avec le client ou le fournisseur pour qu'il y ait performance en innovation. Donc, les acteurs de la chaîne de valeur, donc les collaborations verticales, sont aussi importantes pour les PME rurales. Elles ont été, ça a été démontré pour les PME en général, pour les grandes entreprises, mais pour les PME rurales, c'est particulièrement aussi important. Quatrième, les deux conclusions qui viennent sont intéressantes. La conclusion 4 nous dit qu'il faut qu'il y ait il peut y avoir conjonction, okay, des conjonctions de collaboration. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une conjonction entre la présence et l'absence des collaborations avec les fournisseurs et les institutions d'enseignement et de recherche. C'est-à-dire que la collaboration avec les fournisseurs et la collaboration avec l'institution d'enseignement d'enseignement de recherche contribue à la performance en innovation des PME rurales. Et ça, c'est ce qu'on a remarqué aussi dans le cas ici. Et dans le cas, évidemment, de CLA, on avait une institution d'enseignement et de recherche qui était donc l'université Sainte-Anne avec, évidemment, les différents laboratoires de recherche que l'université a. On remarque aussi qu'il peut y avoir substituabilité, c'est-à-dire que, et ça c'est lié à l'évolution du processus d'innovation. C'est-à-dire que les PME rurales vont collaborer avec les institutions d'enseignement et de recherche au début, dans la recherche et développement, au début où il faut créer le produit. Elles vont beaucoup travailler avec les institutions d'enseignement et de recherche. Et puis, quand on a le produit et qu'il faut le commercialiser, elles vont plutôt collaborer avec les institutions financières, qui, elles, justement, vont aider à financer le marketing, à financer la commercialisation du produit. Donc, il y a substituabilité selon l'évolution du processus d'innovation. Dernière conclusion sur laquelle, évidemment, on attend des discussions, c'est qu'on a remarqué, dans le contexte des PME rurales de CLA, que la présence des collaborations avec les ODE, les organismes de développement économique, n'est pas prioritaire pour leur performance en innovation. Je dis bien n'est pas prioritaire. On peut passer, je vais aller dans les détails de ça. Alors, quand on dit que, quand on remarque, on observe que dans le cas des PME rurales de CLA, la collaboration avec les organismes de développement économique n'est pas prioritaire, cela ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas ou elles ne collaborent pas avec ces institutions-là. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsqu'elles veulent innover, elles ne vont pas s'adresser tout de suite aux EDE. Lorsqu'elles veulent innover, elles vont s'adresser tout de suite soit aux clients ou aux fournisseurs ou aux institutions d'enseignement de recherche. Les EDE, ça viendra par après, par la suite. Et on a remarqué à ce niveau-là qu'il y a souvent une substituabilité entre les EDE et les consultants. Les PME rurales vont plus privilégier la collaboration avec les consultants privés qu'avec les ODE. Alors, l'une des explications à cela découle un peu de la recherche qualitative qu'on a menée l'année dernière, qui montrait clairement que la PME rurale, l'entrepreneur au niveau rural, parce qu'il a plus confiance aux consultants privés qu'il connaît, souvent c'est son ami, ou c'est quelqu'un qui a de l'expérience en entrepreneuriat, elle a plus confiance à livrer le secret de son innovation à un consultant qu'à un organisme de développement économique. Donc, elle est beaucoup plus à l'aise avec le consultant. Alors, c'est intéressant parce que l'idée ici, c'est qu'il faut savoir, c'est que les ODE, les organismes de développement économique comme le CDNE, doivent se poser des questions. C'est-à-dire que comment est-ce qu'elles peuvent renforcer leur impact sur les activités d'innovation des PME rurales? D'abord, c'est une question à laquelle elles peuvent essayer de répondre. Ensuite, ces résultats peuvent aider les ODE à voir sur quelle configuration de collaboration elles pourraient s'appuyer pour construire un écosystème plus collaboratif en matière d'innovation. Troisième question qu'on pourrait se poser, c'est évidemment la question du leadership dans l'écosystème d'innovation. À ce niveau-là, nous pensons que si les ODE, si une ODE prend le leadership dans son écosystème d'innovation, alors cela peut avoir un impact
assez intéressant sur la performance en innovation des PME qui sont dans la région. Alors, pour finir, c'est que les réponses à ces différentes questions-là pourraient aider les organismes de développement économique à mieux peaufiner leur stratégie d'intermédiation et de mise en relation de manière à renforcer les configurations de collaboration qui sont les plus privilégiées, les plus utilisées par les PME rurales. Une fois qu'on a ces résultats-là, alors ça permet à ces organisations-là de mieux orienter leurs ressources, de mieux affiner leur stratégie pour pouvoir justement capter les PME vers elles et contribuer à leur performance en innovation. Voilà un peu ce qu'on voulait vous présenter rapidement. On est ouvert à des questions et à des discussions et on vous remercie. Alors, grand merci Georges et Crispin de nous avoir fait part de vos réflexions, perspectives, les résultats de votre recherche. Nous allons maintenant passer à la partie discussion de cette session. Puis c'est ça l'objectif. L'objectif est de diriger ces discussions particulières dans l'espoir que nous continuons à innover dans la manière dont le soutien et fournis à nos communautés d'affaires respectives axées sur l'innovation. Et j'ai écrit plusieurs notes, George. J'apprécie certainement ce que la recherche a démontré. Et c'est beau de voir de, quand même dans le contexte d'un organisme de développement économique qu'on réalise qu'il y a des manques au niveau de la collaboration, au niveau de l'innovation. Puis, j'ai écrit ça aussi avant que tu aies partagé une définition vraiment de ce résultat-là, que ce n'est pas nécessairement que l'entreprise n'utilise pas ces services-là, c'est que ce n'est pas le premier réflexe au niveau de la collaboration à cause C'est de ça. des expertises cherchées dans différents domaines. Puis, c'est ça la clé. Mais ça démontre qu'il y a une... faut prendre sa place, I guess. C'est C'est ça ça. plutôt C'est ça. ce qui me reste dans la tête. Alors, c'était juste une réflexion que je voulais faire. Puis là, je vais ouvrir les microphones et ça sera bien et beau le temps d'avoir un partage et lancer une conversation. Alors, vous avez maintenant... les moyens de débloquer vos microphones. Qu'est-ce qui voudra lancer la discussion? Je vois que Louise a sa main de levée. Alors, Louise, on va à toi pour lancer la discussion. Merci. D'accord, je vais juste enlever ma main levée pour ne pas oublier. Alors, bonjour Georges Jacques, je suis très heureuse d'écouter des résultats d'une recherche d'envergure et ainsi avec ton collaborateur Crispin. Je suis contente m'être inscrit à ce café virtuel où j'ai rarement l'occasion de le faire parce qu'avec la charge de cours que j'ai cette session-ci. Mais ma question, j'ai trouvé ça très intéressant, les éléments de conclusion, et ça recoupe plusieurs des lectures que je peux dire que je consulte dans le cadre de certains de mes cours. Mais la question que j'aimerais soulever avec vous, actuellement, j'enseigne le cours L'entreprise familiale. Et j'ai découvert qu'en janvier 2020, le ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique avait fait une étude qui s'intitule Profil des PME, statistiques démographiques du propriétaire. Et il y a un tableau qui parle justement de quatre formes d'innovation. Et ils ont isolé des groupes au sein de la société canadienne. Par exemple, hommes majoritairement propriétaires, femmes majoritairement propriétaires, etc. Mais il y avait aussi la catégorie membres d'une même famille. Alors, à mes étudiants, bien sûr, dans une des évaluations maintenant sur Moodle, je leur ai posé la question au niveau des formes d'évaluation, qui est les formes d'innovation les plus fréquentes pour l'entreprise familiale. Et ma question est la suivante. Est-ce que quand vous parlez de PME rurale, vous avez été en mesure, d'une certaine manière, d'isoler la variable
entreprise familiale? Oui ou non? Et sinon, ça peut être une recherche future. Non, on n'a pas isolé la variable entreprise familiale. C'est plutôt la variable secteur d'activité qu'on avait retenu. Pêche, agriculture, construction navale, ce qui est lié à l'alimentation, les services d'hôpitaux. C'est plutôt cette catégorisation que nous avons faite. Cela dit, l'étude qualitative, parce que j'ai rencontré aussi des dirigeants d'entreprise, des PME de la région, où j'ai eu des entrevues avec ces dirigeants-là, et la plupart des entrevues que j'ai eues avec ces gens, c'était des entreprises familiales, très souvent, et qui justement soulevaient en même temps la question donc, de la relève aussi entrepreneuriale en passant. Donc, on retrouvera ça beaucoup plus dans l'analyse qualitative que j'ai faite, et beaucoup moins dans l'analyse quantitative. Merci. Alors, en attendant, pour autres questions, soit postées dans le chat ou on regardera pour la main levée. Juste une autre chose qui m'a venu à l'idée, Georges, j'avais eu l'opportunité de faire une discussion aussi sur le sujet, des sujets que tu as présentés au début, qui était plutôt l'innovation ouverte, l'innovation collaborative, que je l'appelle moi. Il y a un aspect de l'innovation ouverte que peut-être qu'on n'a pas discuté, puis c'est comment est-ce que des entreprises entre eux-mêmes y participent à l'innovation. La problématique que j'identifie avec ça, c'est particulièrement dans le contexte rural, les secrets industriels par entreprise sont extrêmement gardés. Et l'innovation ouverte demande un partage de certaines expertises. Puis on a vu ceci dans le contexte réel de la pandémie COVID-19. Où les entreprises qui se concentrent sur la création au début des vaccins ont collaboré ensemble. Les scientifiques, tout le monde a partagé de l'information qui a dépassé le besoin de sauvegarder sa propriété intellectuelle. C'était quelque chose que vous avez aussi exposé ou découvrir dans cette portion-là de vos réflexions. Tout à fait, je laisse la parole à Crispin. Oui, merci Georges, mais merci aussi André pour la question. En fait, les entreprises pour innover collaborent, et lorsque nous avons regardé les données, ça nous a montré que les collaborations entre entreprises étaient prioritaires, surtout lorsqu'on est dans les activités manufacturières où on doit collaborer avec les donneurs d'ordre qui est souvent qui est les clients en fait. Alors, le secret industriel, comme vous le mentionnez, c'est l'un des éléments qui fait que les collaborations seront choisies. Et on va collaborer avec la personne, soit avec l'entreprise, avec laquelle on a le plus confiance. Et c'est ça, comme a souligné Georges, dans le cadre de nos résultats, on a montré qu'il y avait, une priorité par rapport aux collaborations, et de ce fait-là, les EDE n'étaient pas priorisés dans les collaborations en innovation. Alors pourquoi? Parce que c'est justement à cause du secret industriel. Les entreprises veulent collaborer avec des consultants qui garderaient jalousement leur secret, plutôt que de collaborer avec des partenaires qui, du reste, travaillent avec plusieurs entreprises à la fois et qui ont souvent aussi des solutions plus générales, hein, alors que les entreprises peuvent avoir des particularités, des spécificités dans leurs fonctions, dans leur fonctionnement ou dans leur secteur. Et là, ils vont chercher des collaborations qui seraient plus proches, donc là on voit la proximité, et qui seront plus proches avec eux, plus proches en termes aussi bien physiques et aussi peut-être que psychologiques,
Ils vont considérer que la personne est plus proche de moi et il va garder mon secret. C'est en fait ça qu'on a regardé au niveau de collaboration et aussi le secret industriel. Et on peut poser aussi la même, on peut aussi faire la même réflexion avec lorsque vient le moment pour les PME de collaborer avec les institutions d'enseignement et de recherche. Alors, lorsque vous travaillez avec des professeurs dans un laboratoire et que vous arrivez au bout de votre recherche, votre collaboration en recherche, à trouver un nouveau produit, la question qui se pose, c'est qui détient le brevet? Est-ce que c'est le professeur qui détient le brevet ou est-ce que c'est l'entreprise qui doit détenir le brevet? Donc, souvent, la question se pose à ce niveau-là et ça freine justement souvent la collaboration entre les PME et les institutions d'enseignement et de recherche. Ça freine la collaboration et elles vont préférer beaucoup plus travailler soit avec le fournisseur ou avec un consultant qui, lui, va peut-être plus garder, ou, pardon, la question du brevet va moins se poser qu'avec un professeur qui, lui, va aussi avoir le brevet. Donc, on a aussi remarqué, nos données permettent de voir aussi ces éléments-là. Et la question de la culture du secret que tu poses là, et toi et moi, on en a discuté à plusieurs reprises, et c'était vrai dans ce que dans nos données en tout cas. Et c'est ce qui justifie justement, et ça, Crispin l'a déjà dit, et j'aimerais insister dessus, c'est ce qui fait que souvent, les PME ne vont pas prioriser la collaboration avec les ODE. Parce que avec une ODE, elle travaille avec différents agents qui ont leur expertise et tout ça, mais le fait de taper à plusieurs portes et à chaque fois qu'on ouvre une porte, on va raconter la même histoire à différentes personnes, on finit par, ce n'est plus un secret, tout le monde commence à le connaître. Et dans un contexte rural, l'information passe très, très vite, j'en ai fait l'expérience, hein. Si vous avez mangé une pizza dans votre maison aujourd'hui, le lendemain, tout le village est au courant. C'est un bon point, puis merci pour partager ces réflexions-là parce que ce sujet-là de propriété intellectuelle est extrêmement important dans le contexte d'innovation, il n'y a pas de doute. Et tu as identifié vraiment au niveau de recherche universitaire collégiale cette relation-là est certainement critique dans le développement des solutions. Je vois qu'il est 4h01. Peut-être une dernière question. Je vois que Rose a la main de levée. Alors, Rose, on passe à toi. Je vais descendre ma main. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, parfaitement. Oui, OK. Hey, hey Georges, c'est beau te voir, mon voisin. Dans tes recherches ou dans vos recherches, parmi les entreprises que vous avez discuté ou eu des conversations avec, est-ce qu'il y a eu un vouloir de faire de l'innovation? Parce que souvent, on est pris dans nos petites régions acadiennes, puis parfois les choses bougent pas aussi vite dans nos régions. Alors, je me demande, il y a deux questions, vraiment. C'est, est-ce que vous avez vu que les entreprises vous avez parlé qu'il y a un vouloir à faire de l'innovation? Et deuxième, c'est quoi les piliers d'innovation qu'ils sont en train de rechercher? Parce que ça, si on savait ces questions-là, peut-être comme organisation de développement économique, on pourra identifier c'est quoi les gaps ou nous aider à peut-être trouver les ressources ou je sais pas, pour essayer de peut-être leur aider plus effectivement dans leurs innovations. Ça pourra peut-être guider les ODE d'une façon différente que peut-être les directions qu'on est en train de prendre maintenant. Tout à fait. Merci pour ta question. On m'avait posé la même question dans une autre conférence que j'avais faite. Les gens étaient étonnés de savoir qu'on parle d'innovation en milieu rural. Oui, les PME rurales innovent. Elles innovent. Oui. Et l'une des questions était de savoir quel est le taux, le pourcentage de produits que vous vendez et qui sont issus de l'innovation. Et les 104 PME que vous avez là, innovent toutes. Donc, il faut savoir qu'elles innovent. Ce n'est pas parce qu'on est en milieu rural qu'on n'innove pas. Et justement, parce qu'on est en milieu rural et qu'on doit survivre, on a besoin d'innover automatiquement pour assurer la survie.
Alors, donc ça, c'est lié un peu à la définition de l'innovation qu'on avait posée au départ. Innover, ce n'est pas quelque chose de wow. Ce n'est pas forcément quelque chose de wow. Innover, c'est tous les petits changements qu'on peut apporter à quelque chose qui existe déjà. Et donc, de ce point de vue-là, oui, les PME rurales qu'on a innovées. Et elles innovent, on a des PME qui ont beaucoup d'innovations dans les produits, par exemple. Dans les produits. Beaucoup d'innovations de produits qu'on remarque. On a des innovations aussi dans les procédés, dans les technologies. On remarque donc ces deux types d'innovations-là, en tout cas avec les PME qu'on a étudiées. Donc, effectivement, elles innovent et on remarque beaucoup d'innovations dans les technologies et dans les produits. Ça s'explique parce que c'est lié au secteur d'activité. On a la pêche, par exemple. Et donc, il faut peut-être innover dans les techniques de pêche, par exemple. Il faut peut-être... On a d'autres secteurs. On a la construction navale, par exemple, où il faut aussi innover pour assurer la suivi. On a les services qui sont liés à l'alimentation, par exemple, avec le homard, les boîtes de conserve, avec, je pense, les Como Seafood, par exemple. Il faut innover aussi dans tous ces aspects-là. Et oui, quelque chose qui est très intéressant, c'est que les PME rurales, en tout cas, dans la région que nous avons étudiée, ces PME-là innovent, effectivement. Je crois qu'une chose que tu as identifiée là, Georges, c'est souvent on pense que c'est vrai, on cherche une innovation qui donne le « wow ». La réalité, c'est on voit de l'innovation de façon incrémentale. Ça se relie un à l'autre pour faire avancer des projets, pour faire avancer des services, pour faire changer des processus. Je vois que Issam a la main de lever. Issam, je vais te passer la parole pour une question brève. Ouais, salut tout le monde. Oui, en fait, c'est juste un commentaire que je voulais juste apporter par rapport à l'innovation. Puis André, vu qu'on partage le même cours, on a dû avoir ce chapitre-là d'innovation que je trouve qui est quand même complexe. Donc, je me dis, dans ce cours, on parlait d'innovation, puis on disait que parfois, c'est très difficile pour les moyennes entreprises d'innover. Donc, lorsqu'on parle d'innovation, ça touche beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile pour les petites et les comme grandes entreprises d'innover. Donc, est-ce que vous appuyez, d'après vos recherches, est-ce que tel a été le cas ou bien... Alors, merci pour la question, Issam. C'est que, justement, moi, j'appelle ça des préjugés qui concernent les PME et les grandes entreprises. Okay? Les PME innovent autant que les grandes entreprises. Mais il se trouve que, contrairement aux grandes entreprises, les PME ont besoin de plus collaborer pour innover. Pourquoi? Parce que les PME ont peu de ressources. Or, pour innover, ça prend de l'argent, ça prend des ressources, des compétences, ça prend des ressources matérielles. Chose que les PME n'ont pas toujours, mais elles ont besoin de collaborer. Et donc, c'est dans ce sens-là que les organismes de développement économique sont importants. Parce que les organismes de développement économique permettent à ces PME-là d'être en relation avec des acteurs qu'un Européen peut avoir accès facilement. Donc, les ODE, leur existence, elle est cruciale dans l'intermédiation et dans la mise en relation. Les PME devraient innover de façon naturelle. Pourquoi? Parce que pour innover, ça prend de la flexibilité. Ça prend de la capacité à s'adapter à son environnement. Or, il se trouve que les PME ont cette flexibilité-là, ont cette capacité à s'adapter à leur environnement, étant donné que les choses se font de façon assez simple, de façon flexible. On peut changer du jour au lendemain des choses pour qu'on puisse s'adapter. Donc, la flexibilité qui est une force des PME permet de dire que d'emblée, naturellement, les PME sont ouvertes aux innovations et devraient plus innover parce qu'elles sont capables de s'adapter à leur environnement. Elles sont capables de... Alors qu'une grande entreprise, c'est beaucoup plus difficile. Et j'aime prendre l'image, par exemple, de l'éléphant et du lièvre. Un éléphant, ça bouge lentement. Avant de démarrer, ça prend du temps. Alors qu'un lièvre, c'est rapide, là, c'est rapide. Ça bouge dans tous les sens, c'est rapide. Donc, on peut qualifier les PME de lièvre ou de gazelle et puis les grandes entreprises d'éléphants, de mastodontes en termes d'innovation. Donc, le préjugé selon lequel les PME n'innoveraient pas par rapport aux grandes entreprises, ce n'est pas vrai. Les PME innovent autant que les grandes entreprises, mais elles ne s'appuient pas sur les mêmes
forces et les mêmes faiblesses pour le faire. Alors, comme ça, merci pour cette dernière question, Isaac, veut dire Issam. Et je vois qu'il y a plusieurs intervenants des organismes de développement économique sur l'appel. Alors, je vois ce qu'on appelle un call to action pour nous, de digérer les résultats de votre recherche, comprendre c'est où qu'on a des opportunités et appliquer de l'innovation dans nos propres approches pour pouvoir être un acteur clé dans l'écosystème. Pas qu'on n'y est pas individuellement, mais on pourrait peut-être y être avec autres initiatives. Et puis, ça, cette réflexion-là vient aussi de la question posée par Rose. Alors, je vous remercie toutes pour votre participation. Merci de nouveau, Georges et Crispin, pour partager vos les résultats de votre recherche. On pourra partager aussi votre article qui a été publié avec les participants si ça les intéresse d'aller voir, etc. Et puis n'importe quel autre disons document qui est en relation avec votre recherche. Alors, je vous souhaite une bonne et agréable fin de journée. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci Georges, merci Crispin. Merci.